C'est quoi un bon délégué? En vie de classe, nous les 4A, on se demandait c'est quoi un bon délégué? Voici notre définition. Un bon délégué, c'est une personne souriante et agréable qui accepte la critique. C'est une personne qui écoute les autres et leur avis sans juger. C'est une personne sociable, qui s'ouvre aux autres, qui ose s'exprimer et exprimer les avis des autres. C'est un modèle et un exemple. C'est un élève sérieux et honnête. Le délégué, c'est entreprendre des choses comme prendre des initiatives, proposer des idées, s'investir dans des projets. C'est une personne autonome qui se débrouille toute seule. Il sait observer les autres et aller vers les autres. Le délégué, c'est prendre la parole, mais prendre la parole au nom d'un groupe et non en son propre nom. C'est une personne qui sait se contrôler, rester calme. Elle ne prend pas la grosse tête et ne se croit pas au-dessus des autres. Pour être un bon délégué, il faut être bienveillant et savoir encourager. Il doit aussi essayer d'apporter son aide dans toutes les situations. Le délégué ne doit pas faire de favoritisme. Et surtout, il faut respecter les autres, les élèves comme les adultes. Il faut donc être avant tout une personne de confiance. Alors, si tu as toutes ces qualités, n'hésite pas à te présenter comme délégué. Et au passage, si tu veux tout simplement être un élève respectueux et respecté, il te suffit de remettre la vidéo au début et de réécouter.